Mes chefs avaient demandé à M. Sherlock Holmes de me rejoindre à la morgue. Ça en fait quatre, inspecteur. Quatre femmes sans défense tuées en plein cœur de Londres. Et chacune avec l'index de la main droite arraché. Pas arraché, inspecteur Gregson. Tranché avec le plus grand soin et par un chirurgien très adroit. C'est notre seule piste. À peu près de l'âge de ma jeune nièce. N'y a-t-il aucun moyen de mettre un terme à ces crimes? Si. Si, il y en a sûrement un. Et nous le trouverons. Je le promets. Je le promets. Je voudrais tant vous croire, mais que peut-on faire? Nous n'irons pas loin sans connaître les mobiles. Nous savons en tout cas ce que les mobiles ne sont pas. Ce ne sont pas le vol, ni la passion, ni du moins, je le crois, la vengeance. Puisque les victimes ne se connaissaient pas entre elles. Ducran, inspecteur Ducran. Je m'excuse, monsieur Holmes. J'ai vu des tas de types se faire descendre sans broncher, mais une gamine sans défense. Eh, c'est horrible. Allons boire quelque chose. Bonsoir, monsieur Holmes. Bonsoir, Vincent. Whisky, s'il vous plaît. Un double pour mon ami, l'inspecteur Gregson. Bien, monsieur. L'Irlandais pour moi. C'est chic d'avoir accepté de m'aider, monsieur Holmes. C'est un plaisir de travailler avec Scotland Yard, inspecteur. Je n'ai guère l'habitude de faire la chasse à un fou. Un fou qui assassine pour le plaisir de le faire. Ou pour se procurer un doigt de femme. Dans les quatre cas, le meurtrier a risqué de se faire arrêter en prenant le temps de couper un doigt. Je me demande pourquoi. Je suppose que c'est sa forme de folie. Mais il y a de la méthode dans sa folie, en tout cas. Si nous pouvions seulement retrouver ses doigts. Si, et avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. N'est-ce pas? Ah, merci. Vous pouvez les garder, monsieur. Merci bien. Ah, Sir George Fenwick, on dirait. Oui. C'est sa fille avec lui? Soyez pas aussi naïf, inspecteur. Vous connaissez tout le monde à Londres. Moi? Quelle erreur. Il y a une semaine, je ne vous connaissais pas. Une semaine? Elle a passé si vite. Je les collectionne. Je dois dire que c'est original. Nous partons? Que regardez-vous, monsieur Holmes? Je regarde une très belle femme. Oh, pas une femme du monde, mais elle en donne une excellente imitation. Voulez-vous venir chez moi prendre le verre de l'amitié? Très bonne idée. C'est tout naturel. Je me demande où elle emmène Sir George Fenwick. Ne soyez pas aussi naïf, monsieur Holmes.
Bonsoir, madame. Bonsoir, Gertrude. Personne n'a appelé? Non, madame. Merci. Servez-nous quelque chose à boire, une de vos spécialités. Oui, madame. Vous ne voulez pas dire que... Ah, Gertrude est une merveille, n'est-ce pas, Gertrude? Oui, madame. Vous ne pouvez savoir tout ce qu'elle sait faire. Mmh. Oh, quel charmant appartement. Vraiment, vous trouvez? J'en suis heureuse. Asseyez-vous. Ça vous ennuie? Si ça m'ennuie, quelle question. Rien ne m'ennuie dans la vie. Excepté de ne pas être avec vous. Vous croyez que je vais prendre ça au sérieux? Pas trop au sérieux. Bon, vous et moi, nous ne sommes plus des enfants. Très juste. C'est un trésor, Gertrude. Éteignez les lampes sur la cheminée en sortant. Regardez. Regardez comme la lumière se reflète dans l'eau. Cette tache brillante qui scintille, qui bouge, on dirait des étoiles se mirant dans une rivière. Vous savez, Holmes, je suis très sensible à une atmosphère. Ah. Oui, j'ai compris en entrant dans cette pièce qu'un meurtre y avait été commis. Quelle merveilleuse intuition, mon cher ami. En fait, c'est de l'autre côté de cette porte, au pied de l'escalier, que cette jeune femme a été tuée. Si seulement je pouvais la trouver. Trouver quoi? La seule chose que ces malheureuses victimes ont de commun, et qui me donnerait le mobile de ces meurtres, elle ne peut pas ne pas exister. Un autre Jacques l'Éventreur, croyez-moi, un maniaque du meurtre. Non, Watson. Dans le cas de Jacques l'Éventreur, il y avait un point commun. Ses victimes appartenaient à la même classe sociale et vivaient dans le même quartier de la ville. Dans ce cas, le meurtrier choisit ses victimes dans n'importe quelle classe sociale et dans n'importe quel quartier de la ville. Non, mon cher ami, ceci n'est pas l'œuvre d'un maniaque du meurtre. C'est, à mon avis, beaucoup plus sinistre. Ah, écoutez, Holmes, j'en ai la chair de poule. Watson, je suis convaincu que ces meurtres ne sont que la conséquence d'un plan d'un diabolisme qui nous dépasse. C'est possible, mais pourquoi ces doigts coupés? La réponse à cette question, mon cher, est notre unique espoir de résoudre ce mystère. Chère sœur, je me sens si bien après ces vacances à Brighton avec toi et Alfred. J'ai hâte de me retrouver bientôt avec vous deux. Pauvre enfant, j'ai la gorge serrée en pensant à ça. Je l'imagine assise à cette table écrivant cette lettre sans se douter une seconde qu'elle allait bientôt mourir. Tiens, Gregson. Ah, vous êtes là, monsieur Holmes. Je vous ai cherché partout. Que se passe-t-il? Un meurtre à Edgeware Road, il y a moins d'une heure. Une femme? Oui, et l'index de la main droite sectionné. Madame, encore un autre de ces horribles meurtres. Ah oui, c'est effrayant. Oh, oui, madame. Qui sait si l'assassin n'est pas dans cette maison? Qu'est-ce que c'est? Vous, Sir George? Il faut que je vois Miss Marlowe tout de suite. Mais je ne sais pas si elle... Il faut que je la voie, où est-elle?
Lydia. Voyons, Georges. Qu'avez-vous? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Il faut que vous m'aidiez. Sans vous, je suis perdu. Mais enfin, qu'y a-t-il? Écoutez, il y a quelques minutes, je me suis réveillé dans la chambre d'un hôtel borgne, proche d'Edgeware Road. J'ignore quand et comment j'y suis venu. La dernière chose que je me rappelle, c'est d'avoir été avec vous. Calmez-vous, Georges. À quelle heure vous ai-je quitté? Voyons, il pouvait être... Il était 10h45, madame, exactement. Vous sembliez, excusez-moi, un peu déprimé, distrait, loin de tout. J'ai cru alors que j'avais dû vous offenser. Je ne me rappelle pas. Je ne me souviens de rien. Dites-moi, cela vous est-il arrivé auparavant? Auparavant? On rencontre des cas d'amnésie, vous savez. Il était 10h45 quand je vous ai quitté. Il était 9h du matin quand je me suis réveillé. Soit plus de 10h dans le noir. 10h durant lesquelles j'ignore ce que j'ai fait. Et dans ma poche, en me réveillant, j'ai trouvé... Là, dans ma poche... Serait-ce déjà... Non, non, ce n'est pas pour vous, c'est impossible. Excusez-moi, madame, mais il y a un homme qui désire parler à monsieur. Renvoyez-le. Oui, madame. Non, non, je vous en prie. Je vais le voir. Eh bien? Quelle pièce ravissante. Très différente de la chambre où vous vous êtes réveillé ce matin. Vous m'avez suivi ici? Oui. Êtes-vous un détective? Oh, non. Bien au contraire. N'ayez pas peur, Sir George. Vous savez mon nom? Oh oui, un nom très ancien et très honorable. Et puisque vous portez un tel nom, et qu'aussi vous êtes un homme riche, j'ai pensé que vous préféreriez récupérer cet objet. Au lieu de le voir tomber entre les mains de la police. C'est le vôtre, si je ne m'abuse, Sir George, les initiales, GF. Mais où l'avez-vous trouvé? Il est tombé de votre poche. Naturellement, vous ne l'avez pas remarqué. Vous étiez trop occupé. Penché au-dessus d'un corps. Avec un couteau. Ensuite, vous avez mis quelque chose dans votre poche. Allons, venez, Holmes, dépêchez-vous, voyons. Combien de fois devrais-je vous le répéter? Vraiment, ces truites sont délicieuses. Et je ne parle pas des tartes qui suivront. Ça ne vous tente pas? Vous et votre estomac. Rien de tel que le poisson pour stimuler l'intelligence. Je n'ai aucune intelligence. Vous rendez-vous compte qu'un jour, un jour entier et une nuit ont passé depuis cet horrible crime d'Edgeware Road. Et que je n'ai pas avancé d'un pas. Tiens, je crois bien que nous allons avoir la visite d'une cliente. Oh, séduisante, très séduisante, hein? Je peux dire qu'elle est partie de chez elle en proie à une grande émotion. Comment le savez-vous? Elle ne porte pas de gants, ce qui est surprenant chez une jeune femme élégante. Et puis elle n'a pas mis son manteau et la capote de la voiture est baissée. Et de plus, elle a mis dans son sac quelque chose qu'elle désire me montrer. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Eh bien, le sac n'est pas assorti à son tailleur, ce qui indique qu'elle l'a pris à cause de sa taille et non à cause de son style, afin d'y mettre un objet volumineux. Vraiment, vous êtes surprenant, Holmes. Non, mais seulement, je vois clair. C'est intéressant. Quoi donc? Cette voiture se dirigeant vers la maison inhabitée. Pourquoi l'a-t-elle suivi jusqu'ici? Tiens, ça, vous l'ignorez. Donnez-moi la jumelle, Watson. Oh,
Nous serons bientôt fixés. Oui, madame Hudson. Monsieur Holmes. Oui, voici mon associé, le docteur Watson. Mademoiselle. Enchanté. Monsieur Holmes, je vous prie d'excuser mon émotion. Oui, mais asseyez-vous. Venez. Permettez. Venez. Oh. Alors, je vous en prie. Merci. Reprenez votre contrôle, Miss Fenwick. Vous n'avez rien à craindre ici. Vous connaissez mon nom? C'est bien naturel, voyons. J'ai souvent vu votre photo. Vous êtes la fille de Sir George Fenwick, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pour mon père que je viens. Ah? Que lui est-il arrivé, Miss Fenwick? Il n'est pas descendu dîner hier soir. Enfermé dans son bureau, il n'a pas arrêté de marcher pendant des heures. J'ai eu beau le supplier, il n'a pas voulu m'ouvrir. Allons, allons. Ne vous énervez pas. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Et soudain, j'ai entendu des choses. Entendu des choses? Quel genre de choses? Quelqu'un qui marchait dans le jardin sous ma fenêtre. J'ai alors distingué une forme qui descendait l'allée. Et j'ai reconnu mon père, se glissant à pas de loup dans son propre jardin, comme un voleur. Il avait une bêche à la main. Puis, arrivé près d'un buisson, il s'est mis à creuser. Ce matin, au lever du jour, je suis descendue dans le jardin et j'ai trouvé ceci. C'est un doigt. Un doigt de femme. Téléphonez à Scotland Yard, Watson. Qu'il demande à l'inspecteur Gregson de venir nous rejoindre tout de suite chez Sir George Fenwick. Allô, allô. Donnez-moi Scotland Yard, vite. Où est mon père, Norris? Il est dans son bureau, mademoiselle. Merci. Nous allons le voir tout de suite. Voulez-vous me suivre, messieurs? Merci. J'ai reçu votre message, monsieur. Oui, je le vois. C'est moi, papa. Ouvre! C'est bizarre. Il ne répond pas. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Watson! Oh! Sortez, mon enfant, sortez. Occupez-vous d'elle. Certainement. Oui. Allons, mademoiselle, venez avec moi. Mort? Oui. Et comment, docteur? Tué de deux coups de feu qui l'ont atteint entre la deuxième et troisième côte. Les balles ont sans doute atteint le cœur. Regardez les traces de poudre sur sa veste. C'est ce que je craignais. Que voulez-vous dire? Vous vous rappelez l'homme dans la voiture qui avait suivi Miss Fenwick à Baker Street? Ah, vous ne croyez pas qu'il soit responsable de ça? Je crois raisonnable de supposer qu'il a prévenu un complice, qu'on m'avait alerté. Sir George a été supprimé afin de l'empêcher de me révéler ce qu'il savait. Quel genre d'arme a été utilisé? Un revolver de petit calibre. On a tiré à bout portant, si j'en juge d'après l'aspect de la blessure. Le meurtrier est entré par cette porte-fenêtre. Regardez les traces de boue provenant du jardin. Sir George a dû surprendre l'intrus et s'est dirigé vers lui jusqu'ici. Ce qui a suivi, nous l'ignorons, mais d'après l'emplacement de la blessure, je dirais qu'il a dû tourner le dos un moment et quand il s'est retourné, le canon du revolver était... Sa main droite est crispée. Oh, parfaitement naturel. Rigidité cadavérique. Mais la gauche ne l'est pas. Pourquoi une seule main serait-elle crispée? La droite est celle qui est du côté du bureau. Remarquez bien ça. Sir George a pris quelque chose dans son bureau. Une chose si importante qu'il a dépensé ses dernières forces pour l'atteindre. Je veux savoir ce que c'est. Ce n'est qu'une pochette d'allumettes sans intérêt. Et ça nous mène à quoi? Je pense à un point très important, Gregson. Cette pochette vient de Pembroke House. Eh bien oui, et après? Il y était hier soir. Nous l'y avons vu tous les deux. D'après l'effort que le malheureux a fourni pour atteindre cette pochette, je crois possible qu'il ait voulu obliger quelqu'un à se rappeler Pembroke House. Il a pu vouloir le forcer à se rappeler qu'il y avait vu quelqu'un qui, comme vous et moi, l'y avons vu avec une femme. Oui, entrez. Ah, docteur Watson, on a apporté ceci pour Monsieur Holmes, il y a 10 minutes environ. Merci, madame Hudson.
C'est certainement la banque qui envoie le relevé de compte de Sir Georges. Le relevé de compte de... Oui, et alors? Vous n'avez pas oublié que sa fille nous a dit qu'il avait fermé son compte. Je l'ai fait vérifier sur le champ. Il a retiré tout ce qu'il avait déposé en espèces, soit environ 10 000 livres, hier, c'est-à-dire le jour où cette jeune femme a été assassinée. Qu'est-ce que ça vous suggère, Watson? Qu'il a versé cet argent à quelqu'un? Précisément. Cette affaire sent le chantage à plein nez. Vous ne croyez pas qu'il ait acheté le silence de quelqu'un ayant vu tuer cette femme? Non, Sir George n'a jamais tué qui que ce soit. Et pourtant, il avait ce doigt de femme. Et de plus, il a retiré et payé une somme énorme. C'est là ce qu'il y a de plus horrible dans le chantage. La victime a peur de combattre l'accusation, même si elle est fausse. Une fois l'accusation portée, son nom est traîné dans la boue et aussi bien souvent sa vie est ruinée. Mais si Sir George n'a pas commis ces meurtres, qui l'a fait? Je crois qu'ils ne sont pas l'œuvre d'un seul homme. Oh, voyons, Holmes, vous n'allez pas me faire croire qu'il y a toute une organisation dont le but est d'assassiner des femmes et de leur couper l'index de la main droite? C'est possible, très possible. Enfin, en tout cas, le responsable, quel qu'il soit, ne peut être qu'un fou. Au contraire, mon cher Watson. Si mes présomptions sont exactes, derrière cette horrible mise en scène se cache le plus brillant et le plus cruel des cerveaux que le monde ait connu. Vous pensez au professeur Moriarty? Eh oui. Oh, allons, c'est une obsession. C'est la troisième fois en trois mois que vous le soupçonnez pour des affaires non élucidées, alors qu'il est mort. S'il l'est. S'il l'est, vous savez qu'il l'est. Ça va faire bientôt un an qu'on l'a pendu à Montevideo. Ce que je sais, c'est qu'à Montevideo, on a pendu quelqu'un portant ce nom-là. Et pourtant, je suis prêt à parier que Moriarty est vivant. Et ici, à l'heure actuelle, allons. Allô? Oui, le docteur Watson, une minute. Qui, moi? Ah oui? C'est le docteur Watson à l'appareil? Non, non, je suis retiré des affaires, je ne pratique plus. Hein? Ah, c'est très, très différent. Un cas d'urgence. Où est-ce? Une minute. Oui, oui, veillez à ce qu'elle ne bouge pas. N'oubliez pas ça. Ne lui faites rien avant que j'arrive. Fracture de la jambe gauche, tout près d'ici, une grosse femme. Plus de 100 kilos. Oh. Ah, une poussière. Plus de 100 kilos. Quand on a ce poids-là, on ne monte pas sur un tabouret pour nourrir un canaille. Il devrait y avoir une loi défendant aux femmes de ce poids-là d'avoir des oiseaux. Bon, alors à tout à l'heure. Je n'ai pas utilisé cette trousse depuis que j'ai mis la petite Amélie Watson au monde. Depuis, elle a grandi pour devenir une affreuse fillette, d'ailleurs. Bon, avec un nom pareil, ça n'a rien d'étonnant. Amélie, Amélie. Oh, professeur Moriarty, je ne voudrais pas être indiscret, mais qu'est-ce qui me vaut le plaisir de cette visite? Scotland Yard aimerait le savoir. Je vous avouerai que je préfère que Scotland Yard continue à me croire mort à Montevideo. Mais je n'ai jamais pensé que vous le croiriez. Je suis flatté. Il m'est venu à l'esprit, monsieur Holmes, qu'il y avait quelques avantages à vivre en respectant la loi. Vous êtes très confortablement installé ici, n'est-ce pas? En vieillissant, voyez-vous, le goût du confort augmente chez moi de plus en plus. Oh, je vous demande pardon. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Alors, professeur Moriarty, que puis-je faire pour vous? Tout ce que j'ai à vous dire vous a déjà traversé l'esprit. Et ma réponse a sans doute traversé le vôtre.
C'est définitif? Oui, définitif. Je ferai tout pour que vous soyez arrêté et pendu pour ces meurtres. Vous ne possédez aucune preuve. Non, pas une seule. Mais je vous ai, vous. Je pourrais vous livrer à la police sur le champ. Vous pourriez. Mais si vous le faisiez, vous ne reverriez jamais le docteur Watson. Ah, le coup de téléphone. Oui. Là, c'est de chaussures, monsieur. 2 francs la paire. Et assez solide pour se prendre avec. Combien de fois dois-je vous répéter que je n'ai besoin ni de vos salles lacets de chaussures, ni de votre compagnie? Lacets de chaussures, monsieur. Oh, l'impertinence. Mais tâchez de filer, mon ami, ou j'appelle un agent. Lacets de chaussures, monsieur. Lacets de chaussures, monsieur. Ayez pitié d'un malheureux qui n'a plus qu'un seul bras. Quoi de neuf pour monsieur Hall? Les journaux vous apprendront sa mort demain matin. Vous voilà, Watson, entrez. Ah, quelle histoire. Je vais sortir pour vous chercher. Me chercher? Pourquoi faire? Vous croyez que je ne sais pas trouver ma route? Eh bien, vous avez raison. Maudit soit, c'est mauvais plaisant, en tout cas. Vous savez ce qu'on m'a fait? On vous a monté un bateau. Exactement. Le numéro qu'on m'avait donné n'existe pas. Se moquer des gens de cette façon, c'est une honte. Avez-vous rencontré quelqu'un en route? Non, personne de particulier. Excepté un vieil idiot qui vendait des lacets. Particulièrement insistant, ne vous lâchant pas d'une semaine. Et comment le savez-vous? Et qui vous a enfin quitté pour un client qu'il a jugé meilleur. Ce client, mon cher Watson, était le professeur Moriarty en personne. Quoi? J'ai reçu sa visite. Moriarty ici? Vous l'avez laissé partir au lieu de prévenir la police? Pourquoi? Eh bien, ce bandit m'avait fait croire qu'il avait un de mes amis en otage. Un de vos amis? Qui? Bon, un pauvre type, un raté sans envergure, un ancien médecin, il me semble. Un ancien médecin? Je le connais? Oui, je crois que oui. Un garçon du nom de Watson. Watson, connaît pas. Hein? Quoi? Moi? J'ai bien peur que ce ne soit à vous, en effet. Le rôle de votre marchand de lacets était de vous supprimer selon la tournure des événements. Vous avez laissé Moriarty partir à cause de moi? Je n'avais pas le choix. Que serais-je devenu sans vous? C'est vraiment très chic de votre part, bien sûr, mais... Eh bien, il vous a une fois de plus échappé. Bon, pas pour longtemps, rassurez-vous. Je connais les mobiles de ces meurtres. Ce qu'il me faut découvrir, c'est la méthode utilisée avec les victimes du chantage. La méthode? Oui. Comment Moriarty les amène-t-il sur la scène du crime? Comment fait-il pour qu'on retrouve sur elle le doigt coupé? Et comment s'arrange-t-il pour qu'elle croie que... qu'elles ont pu commettre ces crimes horribles elles-mêmes? C'est curieux. Très curieux. Curieux? Qu'est-ce qui est curieux? Cette fenêtre de la maison vide de l'autre côté de la rue. Au premier étage. Hein? Qu'a-t-elle, cette fenêtre? Ben, elle est ouverte. Pourquoi sera-t-elle pas ouverte? Elle ne l'était pas tout à l'heure, j'en mettrai ma tête à couper. Alors, comme a dit Musset, une fenêtre doit être ouverte ou fermée. Watson, je voudrais que vous y alliez pour y jeter un coup d'œil. De l'effraction? C'est contraire à la loi. Contraire à la loi? Oh, bien sûr, si vous le prenez comme ça. Ridicule perte de temps. Allez faire la chasse aux fenêtres ouvertes au milieu de la nuit. Prenez cette lampe. Hein, prendre quoi? Quel honneur pour un docteur. Le docteur Watson, lampiste. Et vous, que ferez-vous pendant ce temps-là? Vous resterez confortablement assis en train de lire un bon livre. C'est une excellente idée. Oui, excellente idée. Pendant que moi, je jouerai les veilleurs de nuit, vous ferez votre sieste. Mais oui. Alors, amusez-vous bien. Amusez-vous bien, oui. Ah, Sir Holmes, je le retiens, oui. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça peut-il servir? Oh? Un porte-parapluie. Et qui a un parapluie dans une maison vide? Pauvre gorille abandonné.
doit être la porte. Et pendant ce temps-là, lui, il lit bien tranquillement. Il a tué Holmes, il a tué Sherlock. Watson? Vous? Mais je l'ai vu tirer sur vous il y a une seconde. Non, pas sur moi. Mais sur le buste de Jules César. Je vous ferai remarquer en passant qu'à travers les âges, presque tous les grands hommes ont possédé de grands nez. Oh. Nous allons avoir de terribles ennuis avec Madame Hudson. Une vitre brisée, le plancher jonché d'éclats de verre. Levez-vous. Caporal Williams, ce fusilier marin, démobilisé pour incapacité physique. Ses papiers semblent en règle. Voyons, Caporal Williams, vous avez servi en Extrême-Orient. En Orient? J'en étais sûr. Regardez un peu son teint, Watson. Jaune safran, il est bourré de quinine. Contre la malaria. Vous êtes un tireur d'élite. Tireur d'élite? Pourquoi avez-vous tenté de me tuer? Je devais le tuer. Je devais. Oh non, ça suffit comme ça. Bon, laissez-le, Watson. Mais il joue la comédie. Mais pas du tout. Qui vous a donné l'ordre de me tuer? C'est une femme. Une femme? Je ne devais pas le manquer. Eh bien, vous l'avez pourtant manqué, assassin. Mais il n'est pas un assassin. Écoutez, Caporal Williams. Elle vous a assuré que vous deviez le faire. Je devais le faire. J'ai trouvé, Watson, j'ai trouvé. Trouvé quoi? La méthode utilisée pour ces meurtres. Oui, et quelle est-elle? L'hypnotisme, mon cher ami, l'hypnotisme. Mais ce n'était pas contre sa nature, c'est là le côté machiavélique. Ils ont pris soin pour ce petit travail de choisir un homme ayant l'habitude de tuer. Qui il? Le professeur Moriarty et sa troupe d'assassins. Williams a parlé d'une femme. Vous découvrirez sans doute qu'elle l'a invité à boire quelque chose chez elle ce soir. Cadre agréable, lumière tamisée, musique. Et puisque vous savez tout, monsieur Holmes, comment est la dame en question? Environ 30 ans. Habillée de vert, blonde, des yeux brillants. Oh, vraiment? Donnez-moi donc son téléphone. Williams nous donnera son adresse. Emmenez-le, Gregson, et ne laissez personne s'approcher de lui. Il est notre seul témoin dans ces meurtres. Enfin, j'espère que vous avez raison, monsieur Holmes. Levez-vous, Williams. Maintenant, suivez l'inspecteur Gregson où qu'il vous dise d'aller. Venez. Tenez. Appelez-moi dès qu'il sera revenu à lui. Entendu. Au revoir, monsieur. Bonne nuit. Si vous pensez que ce Williams a été hypnotisé, je suppose que Sir George Fenwick l'a été également. J'en suis certain. Une tasse de thé? Merci, il n'y a rien à manger. Alors pourquoi n'ont-ils pas laissé Sir George commettre le meurtre lui-même? Parce qu'ils ne voulaient pas le voir pendu. Ils aimaient mieux le faire chanter. Enfin, à votre avis, qui est le meurtrier? Un homme de Moriarty. Oui, leur plan est diaboliquement simple. Il tue une femme. Oui. Mais pourquoi lui couper un doigt? Mais voyons, comprenez donc. Le doigt coupé est le seul lien qui unit la victime du chantage au meurtrier. Elle se réveille, trouve le doigt dans sa poche, elle ignore comment il est venu là, elle ignore qu'elle a été hypnotisée, et tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a pu commettre ce crime horrible au cours d'une période momentanée de folie. Et lorsqu'elle est tout à fait démoralisée, nos maîtres chanteurs interviennent, c'est ça? Exactement. Ils affirment qu'ils l'ont vu commettre le meurtre. Et la faiblesse étant humaine, la victime est prête à payer n'importe quel prix plutôt que de se voir déshonorée à tout jamais. Oui, tout s'explique. Si vous croyez à l'hypnotisme. Bah, c'est la seule explication possible. Croyez-vous que l'hypnotisme explique la femme en robe verte qui a des cheveux blonds et des yeux brillants? À la femme que vous avez inventée? Je ne l'ai pas inventée, je l'ai vue.
Non, voyons, vous vous moquez de moi. Cette femme, mon cher Watson, était avec Sir George quand il a quitté Pembroke House. Je l'y ai vue et je la reverrai. Et Williams me conduira à elle. C'est pourquoi il est important de le mettre en sécurité. Lui seul peut l'identifier. Allô? Oui? Inspecteur Gregson? Quoi? Mobilisez toutes les forces dont vous disposez. Oui, je viens tout de suite. Que se passe-t-il? Williams a disparu. Que dites-vous? Venez. Un taxi en boutique Gregson. En route et dans la confusion, Williams a disparu. Il s'est sauvé, hein? Non, non, on l'a sûrement enlevé pour l'empêcher de parler. Vous ne croyez pas que Moriarty... Avec Moriarty, rien ne m'étonne. Williams. Il est mort. Vous voyez, avec Moriarty, tout est possible. Oh, je m'excuse, professeur Moriarty. Vous m'avez fait peur. J'habillais une nouvelle poupée, une délicieuse nurse. Qu'est-ce que vous avez au doigt, professeur? Oh, ce n'est qu'une écharde. Une écharde ne doit pas être négligée. Ça peut être dangereux. On n'est jamais trop prudent. Mais attendez, je vais vous l'enlever. J'ai sous la main les instruments nécessaires à l'opération. Tellement affûté qu'il fendrait un cheveu. Laissez vos outils de côté. Pas des outils, voyons, ce sont des instruments. Rangez-les. Lydia est ici? Oui. Mais je crois qu'il vaudrait mieux que... Habillez-vous. Holmes et Watson sont en route pour le club El Mirzam. Le club El Mirzam? Le rendez-vous de tous les hypnotiseurs de Londres. Vous ne supposez pas que Holmes connaît notre méthode? S'il la soupçonne... Il n'a pas de preuves. Qu'ils ne les obtiennent pas est notre rôle. Je l'espère bien. Williams n'a pas eu le temps de parler, ne l'oubliez pas, ma chère. Que voulez-vous que je fasse? Allez au club El Mirzam. Voyez Holmes et arrangez-vous pour l'amener ici. N'est-ce pas dangereux? Toute rencontre avec Sherlock Holmes est presque toujours dangereuse. Il est heureux qu'il n'ait pas vu votre visage à Pembroke House. Et... comment obligerais-je M. Holmes à m'accompagner ici? En l'amenant de force? Oh non. Holmes a une faiblesse, son insatiable curiosité. Si vous réussissez à l'éveiller, vous le conduirez où vous voudrez. À vous de profiter de toute occasion qui se présentera. Mais aujourd'hui, la valeur thérapeutique de l'hypnotisme, comme nous l'appelons, est reconnue par d'innombrables médecins. Spécialement dans des cas d'intervention chirurgicale où l'anesthésie locale ou générale est à déconseiller. À déconseiller, pauvre imbécile. Pour ceux qui sont arrivés en retard, je tiens à signaler que j'ai placé le sujet en état de profonde hypnose. Dans cet état, il est insensible à toute douleur, même à celle qui, normalement, serait pour lui une vraie torture. Une vraie torture. Vous m'excusez. Carter, vous dormez d'un sommeil paisible, vous ne sentez rien. Vos bras et vos mains sont devenus insensibles. Palmer, la grande aiguille. Carter, votre main droite. Vous remarquez que l'aiguille a traversé de part en part la main du sujet. Il n'a rien senti pourtant. Cette insensibilité est le seul test infaillible prouvant une profonde hypnose. Sottise. La vérité, c'est qu'il est drogué. Voyons, avouez-le. Absolument pas, docteur. Réveillez-vous, Carter, réveillez-vous. Vous vous sentez détendu, reposé, vous n'éprouvez aucune douleur. Réveillez-vous, réveillez-vous. Alors, quand allez-vous commencer? C'est fini, Carter, levez-vous. Par ici, monsieur.
Est-ce que c'est là tout votre public habituel? Oh, non, non, non. D'autres peuvent arriver à tout moment. Je suppose que ça doit être curieux pour ceux qui y croient, bien entendu. En ce qui me concerne, ce n'est pas pareil. Donc, vous ne croyez pas du tout à l'hypnotisme, Dr. Watson? Oh, je reconnais qu'il y a naturellement des hystériques à l'esprit faible qu'on peut dominer rien qu'en pointant le doigt sur eux. Mais quand il s'agit d'une personne possédant du caractère... Vous avez tout à fait raison. Vous voyez clair dans nos petits artifices, n'est-ce pas? Oh oui, cher monsieur, oui, tout à fait clair. Bien sûr. À propos des gens ayant l'esprit faible, ainsi que vous le disiez... Excusez-nous, monsieur. Oui, je vous en prie. Voulez-vous monter ici, docteur? Certainement, certainement, avec grand plaisir. Laissez-moi vous faire voir avec quelle facilité nous autres charlatans nous y prenons avec eux. Tenez, asseyez-vous, docteur. Oui. Maintenant, nous allons mettre ceci en mouvement. C'est merveilleux l'attraction que ces spires peuvent avoir pour l'œil des gens à l'esprit faible, s'entend, s'ils s'efforcent de vouloir les suivre. Bien sûr, vous pourriez les fixer pendant des heures, docteur Watson, sans aucune gêne. Cependant, cela risquerait de vous étourdir un peu, comme le ruban blanc d'une route la nuit, quand vous êtes au volant. Le rythme est apaisant et pénétrant. Et la route défile encore et encore. Elle tourne, toujours semblable. Elle tourne et retourne. Vous vous sentez fatigué. Le sommeil vous gagne. Laissez la route pénétrer en vous lentement. La longue route, la route apaisante. Qui mène au sommeil. Dormez. Ouvrez les yeux. Levez-vous. Tournez-vous. Et maintenant, docteur Watson, vous êtes en vacances en Écosse. La campagne est belle, il fait chaud. Vous arrivez devant une rivière. Elle n'est pas profonde. Mieux vaut ôter vos chaussures et vos chaussettes. Relevez vos pantalons. Ça suffira, l'autre jambe est imperméable. Retournez-vous. Faites attention aux cailloux. Asseyez-vous. Réveillez-vous maintenant. Vous voyez ce que je vous avais dit? Ça ne marche pas avec moi. Voyons, n'importe qui ayant du caractère. Hein? Je crois que ceci est à vous. Il n'y a pas de quoi rire. Watson est ici. La femme que vous cherchez? Mais je vais l'aborder. Peut-être me conduira-t-elle jusqu'à Moriarty. Croyez-vous que ce soit prudent? C'est peut-être imprudent, mais c'est essentiel. Et je me suis déjà tiré d'affaire avec Moriarty dans le passé. Oui, mais c'est dangereux. Elle peut vous hypnotiser. Ma volonté est inférieure à la sienne. Je mérite d'être hypnotisé. Chut. Je viens me plaindre, Dr. Hounslow. On m'avait dit que ce club était le rendez-vous de gens sérieux, intéressés par la science. Au lieu de ça, je me trouve en compagnie de bouffons. Oh, mes chers madames. Eliotson, Esdell, Brad, ces hommes n'ont-ils lutté que pour vous permettre de jouer votre jeu enfantin et cruel? J'avoue être en complet accord avec vous, madame. Cette exhibition était totalement déplacée, Dr. Hounslow. Alors, je vous demande pardon. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes. À votre service, madame. Merci, monsieur Holmes. J'ai peur d'avoir créé une situation plutôt gênante. Mais voyez-vous, je m'intéresse sérieusement à l'étude de l'hypnose. C'est mon cas aussi. Mais alors, nous avons quelque chose en commun, monsieur. Peut-être bien que oui. Si nous allions prendre un cocktail pour oublier tout ça. Ah, c'est une bonne idée. Allons-y. Merci. J'ignorais qu'il y avait un bar aussi charmant à Londres. C'est très gentil de votre part de m'avoir amené ici. J'ai pensé qu'un petit remontant nous fera du bien. Est-ce que par hasard j'avais l'air d'être... J'adore l'air que vous avez. Merci.
Je suppose que j'ai dû perdre la tête un peu là-bas au club. Mais vous savez, l'hypnotisme est presque une religion pour moi. Je sais que grâce à lui, on peut aider, on peut soulager. Et c'est pourquoi j'ai été indignée de le voir employé pour des sottises. Je m'y connais assez peu et c'est pourquoi je suis passé à ce club. Mais voyez-vous, je suis embarrassé par une affaire dont je m'occupe. C'est passionnant. De quelle affaire s'agit-il? Il s'agit du meurtre de Sir George Fenwick. Fenwick? Qui est-ce? Un personnage bien connu. Un détail curieux me revient. La dernière fois que j'ai vu Sir George, il était ici, à Pembroke House. Étrange. Oui, n'est-ce pas? Il était assis... Voyons, mais oui, il était assis à cette table. Une cigarette? Merci, continuez. Une femme charmante l'accompagnait et il lui allumait sa cigarette. Charmante. Vous avez vu son visage? Non, malheureusement. J'admirais son dos. Oui, vous avez manqué d'audace. Oui, bien sûr. Je crains de commencer à vieillir. Je ne trouve pas. Je suis très flatté. Pourtant, pour la première fois de ma vie, je me trouve en face d'un cas qui me dépasse, au point de ne plus en fermer l'œil de la nuit. Vous savez, Monsieur Holmes, je crois que je pourrais vous aider. C'est vrai, je vous en serais reconnaissant. Vous êtes amusé. Non, mais assez sceptique. Comment vous y prendrez-vous? J'ai utilisé l'hypnotisme plus d'une fois pour guérir. Pas par profit, je n'en fais pas un métier. Mais je suis sûre de pouvoir vous aider, si ça vous intéresse. Ce serait une expérience passionnante. Pénombre, Brigitte, que tout cela est-il nécessaire? Il faut vous détendre, Monsieur Holmes. J'ai peur que vous ne soyez un sujet assez difficile. Alors, je pensais que peut-être un adjuvant, un médicament pourrait faciliter notre expérience. Une drogue? Non, je préférerais m'en passer. Je le préférerais aussi, soyez-en persuadé. Mais Schrenk von Zieg, spécialiste en la matière, vous le savez, préconise ce moyen pour les sujets un peu difficiles. Et c'est votre cas. Oui, je le sais, mais je suis contre l'emploi des sédatifs. Bon, comme vous voudrez. Après tout, rien ne vous oblige à tenter l'expérience. Ben, une minute. Une minute, j'ai réfléchi. Très bien, tentons-la. C'est tout à fait inoffensif. Qu'est-ce que c'est? Un simple soporifique d'origine japonaise. Dans un verre d'eau. Merci. Maintenant, asseyez-vous, Monsieur Holmes. Vous allez sentir le sommeil vous gagner. Ne résistez pas. Laissez-vous aller. Parce que vous avez envie de dormir. Fixez bien vos yeux sur cette fleur blanche, flottant sur l'eau. Et maintenant, oubliez toutes vos autres pensées. Suivez le mouvement de l'eau, si apaisant, si apaisant. L'eau qui apporte l'oubli de tout. Des soucis. Des questions que l'esprit se pose. C'est étrange, regardez, comme la lumière est réfléchie. Cette tache brillante qui scintille, qui bouge, qui bouge. C'est reposant ici. Vous vous sentez détendu. Apaisé. Et vous allez découvrir bientôt ce que vous cherchez. Vous allez très bientôt les découvrir, les coupables. Quand vous serez reposé, et l'eau s'approche de vous. Regardez-la. Elle s'approche. Regardez-la. La voyez-vous s'approcher? Elle s'approche. Elle s'approche.
Dormez. Dormez. Le voici, professeur Moriarty. Lavez-vous, monsieur Holmes. Ouvrez les yeux. Tournez-vous. Êtes-vous satisfait? Nous avons affaire à un homme habile. Il peut jouer la comédie. Il n'y a qu'un test infaillible pour être sûr qu'un homme est en état d'hypnose totale. Allez-y, docteur Simnel. Ça suffit, docteur. Son insensibilité à la douleur est la preuve. Je vous félicite, Lydia. Retournez-vous, monsieur Holmes. Marchez jusqu'au bureau. Asseyez-vous. Et prenez cette plume. Écrivez ce que je vais vous dicter. Je suis devant un cas que je ne peux arriver à résoudre. La honte que j'éprouve est trop forte. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Signé. Séchez la lettre sur le buvard. Pliez-la. Mettez-la dans votre poche. Venez, monsieur Sherlock Holmes. Sortez sur la terrasse. Mais ça n'aura pas l'air d'un suicide. Et pourtant, tout le monde croira que M. Holmes s'est suicidé. Marchons un peu, M. Holmes. La température est tellement douce. Veuillez monter ici. Vous pourrez admirer la terrasse. Vous la verrez mieux de là-haut. Tournez-vous à gauche. Et maintenant, marchez lentement jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas, vous devez marcher jusqu'au bout. Au bout, vous trouverez une porte ouverte que vous pourrez franchir en toute sécurité. Dans la chambre où donne cette porte, vous trouverez ce que vous cherchez. Finissons-en, je vous en prie. Ceci est un moment que j'attends depuis très longtemps, ma chère. Avancez, monsieur Holmes. Quand vous aurez franchi la porte, vous trouverez l'homme responsable de tous ces meurtres et de la mort de Sir George Fenwick, le professeur Moriarty. Holmes! Ne bougez pas! Quelle merveilleuse vue, Watson, je m'en remplis les yeux. Mais vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas la voir, vous êtes hypnotisé. Et surtout, ne bougez pas. Vous entendez, Holmes, vous entendez, ne bougez surtout pas. Hein? Et pourquoi donc, Watson? Eh bien, parce que vous ne savez pas ce que et vous au faites. Au contraire, je le sais très bien. Vous n'êtes pas hypnotisé? Mais pas du tout. Bah alors descendez de ce parapet, idiot! Ah, aidez-moi! Aidez-moi! Là, c'est fini. Ah, mais qu'est-ce que vous faisiez là? Je gardais la forteresse jusqu'à votre arrivée. Vous êtes bien en retard. Ah oui, j'ai eu pas mal d'ennuis avant d'arriver à Scotland Yard. J'ai brûlé deux feux rouges et j'ai eu une contravention. Votre chance semble continuer, monsieur Holmes. Oh, si on peut appeler ça de la chance, professeur. J'avais substitué une drogue de mon cru à celle que madame m'avait proposée.
Vous êtes très habile à ce que je vois. Oui, une drogue qui, bien que laissant le sujet conscient, le rend insensible à toute douleur physique. Ce qui explique mon manque de réaction au couteau du docteur Simnel. Eh bien, Gregson, l'affaire me semble réglée. Et l'inspecteur Lestrade lui-même n'aurait pas mieux fait. Merci, oui, monsieur Holmes. Allez, emmenez-les dans le car. J'avais raison, monsieur Holmes. Vous êtes un sujet difficile. Merci. Et maintenant, professeur, nous devons nous quitter. Au revoir, jusqu'au jour de votre exécution. La corde qui me pendra n'a pas encore été fabriquée. Suivez-moi. Je vais m'occuper de ça, monsieur Holmes. Merci, inspecteur. Allez, en route. C'était un monstre, oui. Mais quelle fin horrible. Meilleur qu'il ne la méritait. À quoi pensez-vous, Holmes? Je pense à toutes les femmes qui peuvent circuler en sécurité dans les rues de Londres ce soir. Les étoiles montent la garde dans le ciel. Et à notre façon, nous aussi, mon cher Watson, avons le privilège de veiller sur notre ville.